Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de ma série sur God of War, et plus précisément la God of War 3. Donc on s'était laissé la dernière fois avec le jardin. Hein, on avait, du moins, pardon, je vais le reprendre, c'est mieux. On avait traversé les jardins de l'Olympe, hein, avec un petit, entre guillemets, un petit puzzle, un petit peu compliqué. Donc là, je suis en train de chercher ce qu'il faut faire précisément. À mon avis, il faut ouvrir la porte avec le levier qui est là. Allez, hop. Faites voir. Voilà, c'est ça. La porte est ouverte. Allez, rentrons. D'accord, maintenant des scorpions, on aura vu tout. Allez, on va essayer de les poutrer rapidement, ceux-là. Je vais prendre mes vieilles lames, qui restent quand même mes lames préférées. Voilà, un bon carton, boum. Commence par un carton bien organisé. Bon là, j'ai plus beaucoup de... Je me souviens pas que j'ai plus beaucoup de rage, c'est que j'ai quasiment plus de rage du tout. Allez, voyons voir, qu'est-ce que ça va être ça? Allez, un œil de gorgone. Un œil pour... Putain, une plume, hein. C'est impressionnant, hein. Je n'ai pas récupéré, j'ai dû en récupérer un. Deux à tout casser. Oh merde, ah, j'ai utilisé la magie. Je ne voulais pas. Allez, descendons. Allez. Ouais. Ok, donc on va faire ça. On va même éclairer un peu toute la pièce. Voilà. Je me souvenais pas qu'il y avait... que c'était aussi sombre. En face là-bas, il y a encore des scorpions. Allez. Il y a même beaucoup de scorpions. Voilà. Plaque, normalement là. C'est bon. Je vais quand même revenir sur mes pas parce qu'il y avait une pièce là. Peut-être essayer de choper des coffres, ça serait pas mal. Honnêtement, si je pouvais récupérer un coffre de... un coffre avec du moins un œil de gorgone pour augmenter un peu ma vie. Parce que là, ma vie, elle est quand même très basse. D'accord, on revient sur le cube où on avait chopé... C'était Hermès, non, avec les super chaussures. Par contre, je ne me souviens plus comment on fait pour avancer. Là, c'est grave. C'est pas ça. C'est pas ça. Super. J'ai un gros trou, là. Parce que là, je vais tomber, forcément. Si je peux pas accélérer, putain, j'ai cru que j'allais tomber. Honnêtement, j'ai eu un doute. Les cavernes, super. Alors, faut que j'arrive à aller où? Le cadeau d'Hadès, le feu liquide, c'est ce qui vient en premier. Ensuite, ensuite il y a le cadeau de Borgas, la tempête de glace. Cela me donnera le pouvoir de ramener mon fils à mes côtés. Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain la vache.
Eh bien, les vilains. Allez, allez, c'est le moment peut-être éventuellement de me barrer. C'est ça. Oh, ouf, là je l'ai prise par contre. Allez, viens là. Ah bah j'ai pas pu. Voilà. Voilà. Non mais dis donc. C'est qu'ils font mal en plus ceux-là. Ah ouais, tu m'étonnes qu'ils font mal. Oh puis là à 4, ça va être compliqué. Non, ça va. Et je me suis loupé. Aïe 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 aïe. Hop là, ça va. C'est bon. Et là c'est bon. Encore. Voilà. Parce qu'en plus là, c'est pas le tout de dire. J'ai pas de rage, donc je vais pas pouvoir. Oh là 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 là. Là il y a du people. Oh là 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 là. Ouais là c'est... Ouah c'est énorme là. Allez lui faut que j'arrive. Peut-être je peux faire quelque chose avec lui. C'est ça. Je peux taper sur les mecs. Sur les gros là. Voilà lui on va le finir comme ça. Parce que là il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Si jamais je le fais pas comme ça... Ça va être relativement compliqué, il faut que j'arrive à les finir alors qu'ils sont... Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Donc là, il veut m'éjecter. Bon, mais il va m'éjecter, c'est pas très grave. Bon, par contre, ça serait bien. Ouais, que lui... J'arrive... Ouais, voilà. Au monde qu'il y a... C'est impressionnant. J'ai pas beaucoup de vie. Déjà de base. Dû au fait justement que j'ai pas trouvé de. Allez, faut que j'arrive quand même à faire un truc. Voilà là. Allez. Allez, peut-être qu'ils peuvent se taper un peu l'un l'autre là si j'arrive à être à peu près bon. Oh putain, si ça va, j'ai esquivé. Allez là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est encore bon. Voilà. Lui, ça a été fait plutôt facilement. Oh putain, mais j'ai pris là. Là, j'avoue ne pas trop comprendre comment j'ai pu prendre là, mais... C'est bon. Ok, ok. Ah, maintenant faut que je m'attaque au gros gros. Donc là je vais utiliser la magie. Parce que le but c'est lui, c'est d'essayer de le choper lui. Voilà. Si vous avez pu voir tout à l'heure que ça nous permet donc, de monter sur lui et de contrôler. Donc de taper. Boum. Allez, voilà, lui c'est fait. C'est bon. Ah, faut qu'il prenne. Allez. Même au pire, le tout, c'est de réussir à les toucher un peu tous. Pour leur enlever à tous un petit peu de la vie. Bon, lui. Ce coup-ci, c'est bon. Après, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ma magie. Ça me paraît bien. Pour essayer... Voilà, déjà, d'en éliminer un tout de suite. Ça, c'est chose faite. Par contre, là... Autant le dire, je suis dans le caca. Ah, coup de peau. J'ai appuyé sur rond. Pour le choper. Oh la vache. Bah ouais, ouais, ouais. Tu m'étonnes. Merci d'être passé. Allez, Kratos. Faut pas que je me loupe. J'ai pas le droit. Voilà. Allez, plus que deux. Allez, hop. Ce sera... Après, il en restera plus qu'un. Faut pas que je fasse le con.
Ouais, tout à l'heure j'ai voulu aller trop vite en fait. Voilà, faut retrouver un peu un rythme. Voilà, faut retrouver le rythme du jeu. Très bien. Ah, il y avait quand même beaucoup de monde. T'inquiète. T'inquiète, Biquette. Marrage de Sparte, allez bien la voler. Hop là. Une entrée du journal, ça on s'en fout. Moi je vais récupérer de la vie, c'est tout ce qui m'intéresse pour le moment. Éventuellement une petite sauvegarde. Regardez-moi ça. Comment c'est chiant de sauvegarder dans le jeu. Hop, ça c'est bon. Alors ensuite, voyons voir. On va essayer de pas tomber. D'accord, oui, voilà, ça y est, j'ai... Je me souviens. De là, c'est de là où j'arrive, non? Je pense que c'est de là où je viens. À mon avis, il faut que je m'accroche là-haut. Oh bah non. C'était pas ça. Ça. C'était même pas ça du tout. Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Ah si. Regardez. Ah ben voilà, un passage secret. Ah, il faut que je pense à me servir un peu plus de la tête d'Hélios. Hein. Là, je vais quand même... Regardez là. Non, on sait jamais. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a par là? D'abord le coffre. Les expériences hydrauliques ont de nous. Ces rouages sont bien trop massifs pour les machines traditionnelles. J'espère que mon séjour aux enfers me permettra de découvrir. Ah, ça c'est Hephaestos, ça non? Ah non, Dédale. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Il y a un levier en bas là-bas. Ok. On va quand même visiter un peu. Si on pouvait éviter de louper. Oh bah t'as un coffre. Un œil. Oh j'en ai marre avec ces plumes. Ah ça pour m'augmenter, c'est quoi? C'est la magie? Ah, pour augmenter la magie, y a pas de problème. Mais par contre, pour réussir à augmenter la vie, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Là, honnêtement... Bon, on va prendre le levier. D'accord, donc ça a ouvert. Ça me permet de monter. Il y a ça, très bien. Il est impossible. Est-ce que avec l'arc, est-ce que je peux faire quelque chose avec mon arc? Rien du tout. C'est pas grave, on va aller là. Ouais, voilà, je peux monter, très bien. Moi je casse toujours tout, vous le savez. Récupérer les boules rouges, c'est important. Putain de scorpion.
Hop là. Ok. Super. Faut que j'aille là-haut. Donc là, il faudrait que j'utilise les bottes d'Hermès. Mais le problème, c'est que là, le passage est sombre. Étroit. On va essayer quand même de ne pas tomber. Ouais, donc il a lui aussi été emmerdé par les scorpions des dalles. C'est bien fait pour sa gueule, il avait qu'à pas faire un truc comme ça. Ça va. Donc là, c'est pas des scorpions. C'est des charmantes dames à tête de serpent. Ouh. Quelle est vilaine. Et voilà, putain. Ah non, j'ai cru que je m'étais fait buter. Bon, c'est le moment là. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Mais c'est le moment d'utiliser ça. Allez, viens là toi. Ouah, je me suis loupé. Ah ouais, et puis bien même hein. Ça, j'aime pas quand il faut faire ces quarts de tour. Putain, et ouais, j'y arrive pas. Bon, on va la buter comme ça, celle-là. Ça va y éviter de me faire chier. Et puis au-dessus, il y a les gargouilles là qui viennent me casser les couilles. Viens là toi. Je vais quand même y arriver, non, à en faire une. Voilà. Putain, j'ai cru que j'y arriverais pas. Oh. Ah mais là j'ai perdu une quantité de vie. Ouais. Et voilà. Oh putain, je suis tombé. J'ai pas avancé. Le fait de ranger la tête de machin là, ça m'a fait comment dire, ça m'a fait avancer tout seul. Honnêtement, c'est super moche parce que là, j'aurais jamais dû tomber et mourir. Ouais, dégage. Alors toi, par contre, je vais te faire du premier coup. Là. Très bien. Il n'en aura pas fallu 50. Bon. C'est pas là. Ouais, très bien. Putain, pas compris pourquoi il était parti sur le côté. Alors que j'étais vraiment face au mur, mais... Ah bon, c'est pas très grave. Ah putain, mais... Jamais il s'arrête, eux. Là, dégage-toi. Hop là. Voilà, je pense qu'il faut pas se louper, hein, parce que là, c'est un coup à... À y passer. Allez, ouvrons la porte. Là, je suis revenu dans le... Dans l'espèce de labyrinthe. Ah, c'est bon, j'ai récupéré ma vie. Donc là, ça sent encore du monde en pagaille. Oui, j'ai dit reste à savoir. Ah, c'est à trouver ce qu'il faut faire. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a là? Eh, pep, les enfants. Ça attaque pas trop à Kratos non plus. Ah, oui, d'accord. Oh, bah merci d'être passé. D'accord, hop, on va d'abord éliminer les petits et puis on s'attaquera au gros après. Hein. Ouais, donc là il faut prendre les gants. Merci d'être passé, toi. Il faut prendre les gants d'Hercule. Allez, continuons, continuons. Ouah, là j'ai pris. J'ai pris cher.
Allez, les gants commencent à péter. Pas les gants, les pattes commencent à casser. Hop là. Allez, on envoie la fin là. Cette putain de patte. Aïe aïe aïe. Ouais, ben, on va peut-être en voir la fin de Kratos aussi, non? Putain, c'est impressionnant. Ah, j'arrive pas, putain. Ah, il m'a bloqué. Ah, fait chier. Hein. Il m'a complètement bloqué, ce putain de scorpion. Ah, et puis là, forcément, on va recommencer. On va se la faire moins crispée, donc c'était bien ça qu'il fallait faire. Attaquer les côtés, les pattes d'abord. Et puis on va aussi s'attaquer au petit. Pour essayer de les éliminer, ça me paraît quand même être une bonne idée. Ouais, le problème c'est ça quoi. C'est de réussir aussi à éviter. Oh, vas-y, mais remets-moi dans ta gueule toi. Ça t'a pas suffi une fois. Le tout c'est de réussir à les toucher. Voilà. D'éviter la queue. Là, de réussir à cogner là où ça fait mal. Oh putain, il me chope à chaque fois. Hein. Bon, ça, ça va, c'est pas super casse-couille. Le plus chiant, c'est de réussir à éviter sa queue. Dommage. Hop, allez, repassons sur le côté. Très bien. Allez, hein. Putain, la vache, c'est impressionnant. Allez, faut que j'arrive à venir là, là. Ah, je me doute bien qu'il va pas se laisser faire non plus. Allez, le dernier, là. La dernière patte. Allez. Peut-être qu'avec un peu de chance, ça peut être la bonne, là. Mais non, il en reste encore, hein. Là, il m'a... Ouh, il m'a touché, hein. Non seulement il m'a touché, mais il m'a sacrément fait mal. Allez, il va bien y avoir une phase d'action après ça. Très certainement. Seulement, qu'est-ce que je dois faire? Monter sur le dos, je pense, non? Oh non! Oh non, monsieur moche! Oh putain de bestiole! Ça me saoule! Oh, ça me saoule, sans déconner. C'est... Là, je me suis fait buter par les petits, quoi. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les chaînes ce coup-ci quand il y aura les petits. Et on prendra les gants d'Hercule quand il y aura plus petit pour détruire le gros. Ouais, allez, putain, la vache. Et puis il fait mal en plus, cet enfoiré là. Allez, mets le rouge là. Allez, c'est le moment là. De taper fort. Il me bloque. Ouais, là il m'avait encore bloqué avec ses pattes. Ses pattes de merde. Alors le problème c'est là. C'est à ce moment là qu'il faut utiliser les chaînes. Pour éviter de me faire buter par ces putains de petits scorpions là. Ah bah voilà, il m'a chopé. Et là on peut voir que déjà j'ai toute ma vie. Ce qui est déjà mieux que tout à l'heure. Ouf, par contre quand il tape. Quand il touche, il fait mal le salaud. Ouais, pan, prends ça dans les dents. Voilà. Il va y avoir des petits à un moment, non? Voilà, les petits. Allez. Les petits qui vont me redonner un peu de vie. Enfin, j'espère. Eh ben non, la queue du chat. Même une queue de chat, je m'en serais bien contenté. Hop là. Ouh la vache. Il va bien falloir qu'ils m'en donnent un peu de la vie, là, parce que... Ah, putain. Et voilà. Non mais c'est pas possible, sans déconner.
Putain, entre les petits qui nous cartonnent la gueule avec leur dard là, et le gros au-dessus qui vient nous faire chier avec ses pinces, putain, c'est là, c'est... Je vais quand même pas perdre contre un scorpion, j'ai battu Poséidon, j'ai battu Hadès, putain. Quoi ce scorpion de merde là? Et le problème en plus, c'est même pas lui. C'est sa progéniture, là. C'est les petits. Parce que lui en lui-même, il fait pas trop chier quoi. Il met très peu de coups. Mais par contre, tous les petits. Alors regardez-moi ça. Allez, hop. On va utiliser un peu de magie parce que là, honnêtement, ça va bien. Pas nul là, hein. Je le dis assez souvent. Mais voilà, je suis pas venu là déguisé en feuille de chou pour me faire bouffer le cul par les lapins. Mais là quand même, il commence à me péter les... Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en cracher d'autres ou pas? Ouais, ça y est, il les a crachés. Oh non, mais comment il a... Et je suis en l'air. Tu m'expliques là, mon grand? Et alors les petits qui se mettent à me toucher et qui font mal, super mal les petits. Putain, j'ai l'impression qu'ils font plus mal que le gros. Ouais. Ah, ça y est, il m'en ressort en plus. Oh là, dégage. Ça m'a permis d'éviter de prendre un coup là. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Putain, mais c'est impressionnant, je vais pas... Allez, une. Ouais, il me saoule avec ses progénitures. Voilà, c'est peut-être bon là, non? Il va pas me faire chier à chaque voyage. Allez, le... Oh, il m'a touché. Ah ouais, il m'a touché. Non seulement il m'a touché, mais il m'a bien démonté la gueule surtout. Allez, là. Oh non, mais putain, eh, c'est fou. Hein. Vous allez voir que je vais pas y arriver. Il faut qu'il me donne de la vie parce que là... Allez, vas-y. Ah, j'ai passé... On va faire un épisode sur ce mec-là, quoi, sur ce monstre-là. Sans déconner. Alors qu'on a passé moins de temps sur Poséidon et Hadès, on va passer un épisode là-dessus, quoi. Tout ça parce que lui me fait chier à me balancer ses progénitures de merde. Qui en plus ne donne pas de vie quand on les bute. Eh, c'est le moment là. Voilà. Il va pas me sortir. Là il peut pas m'en sortir. Hein. Allez, viens là. Et si, il peut m'en sortir. Et il m'en sort d'ailleurs. Hein. Allez. Il va bien falloir que ça fasse quelque chose. Allez, voilà la phase d'action. Putain, là, je sais qu'il faut y mettre par la gueule encore. Toi, on va t'enlever ta première canine. Ouf. Tout ça pour ça. Honnêtement. Ah d'accord, j'allais dire. Fallait bien qu'il revienne à un moment. Le v'là. Ça m'aurait étonné quand même de pas l'avoir plus que ça. Non, c'est les griffes que je veux. Enfin, pas les griffes, non. Le point d'Hercule. Allez, c'est le moment de péter une patte là. Tant qu'il bouge pas trop, voilà. Et ouais. Encore une fois, on se fait bloquer par les pattes. Et c'est plutôt pénible. Allez, des petits encore. Ah, et puis pas qu'un peu. Putain, encore une fois, ils sont quand même relativement casse-couilles ces petits-là. Là. Puis ils font mal en plus à chaque fois qu'ils nous touchent là. Et le problème, c'est qu'en plus, ils ne donnent pas de vie ou très peu. Oh la vache! Allez, voilà, un de posé.
Allez, c'est le moment de réussir à faire quelque chose. Ben, on va poser ça. Et ça sera toujours ça de prix. Ça va me permettre d'éliminer assez facilement les progénitures. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le toucher. Allez, voilà. Là, il va se remettre au sol. Il va falloir qu'elle vienne là me toucher. Boum. Allez, encore. J'ai encore de la magie. Voilà. Hop là. Hop. Hop, hop. Hop. Et là. Vas-y, tombe en plein. Voilà, dans le dos là. Ouah, 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 ouah. Oui, bien sûr. On va se la refaire moins crispée. Voilà. Ah bah putain. Et ce n'est pas dommage, hein. Pouh, d'avoir réussi à l'éliminer lui. Et peut-être. Ah si, comme ça, regardez. Je vais pouvoir l'exploser et récupérer ces. Ces trucs. Putain de scorpion à la con. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire là? Qu'est-ce que c'est ça? Hop, hop, hop. Tempête de glace. Cette gemme renferme le soul de glace du vent du nord. Très bien. Tu as trouvé la tempête de glace de Boreas. C'est la clé pour débloquer le labyrinthe. D'accord. Très bien. Ah, du coup, ça va me permettre de monter. Ok. On va voir un peu là. Non. Ah, c'est ça que je vais utiliser. Non, il n'y a rien. Très bien. C'est quand même pas mal de sortir de ce labyrinthe là. C'est beau quand même. C'est beau, mais qu'est-ce que c'est, casse-couille. Bon, on va voir. Pardon, excusez-moi. Hop là, très bien. Bien joué, Kratos. Ok. 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 Et. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il va y avoir là? D'abord, on va activer ça, je pense. Voilà. D'accord. Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais au Minotaur, moi, pas. Ah, ouais, ouais. Fallait bien que ça arrive à un moment ou un autre. Allez, hop. Et éviter de rester dans son souffle. Ah là par contre faut que je le fasse du premier coup. Hein. Voilà. Allez. Voilà, c'était important là. De péter les boucliers d'abord. Ensuite on s'occupera de cela. Par la suite, mais le plus important c'est d'abord les boucliers, parce que sinon ils vont me faire chier. Et ouais, bah là j'ai déjà perdu quand même pas mal de vie. Et on va déjà s'occuper aussi un peu d'eux là, parce que sinon
Allez, allez, allez. Elle est où, elle? Allez, là, c'est le moment, hein. Ok. Ok. Le Minotaure. Voilà. C'est bon. Maintenant, eux, on va les péter. Mais viens là, toi, avec ton bouclier de merde, là. Tiens, boum. Voilà. Voilà, toi, je vais te péter la gueule. C'est fait. Bah voilà. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Nos stress. Et oui, on va, hop là. Attention. Là, il valait mieux pas se louper. Et on va sauvegarder. Là, on est où là? Dans les cavernes encore? Pouh. Je crois que c'était, si je ne m'abuse, le passage le plus long de ce God of War. Même le passage peut-être le plus pénible. D'accord, maintenant donc je vais pouvoir avoir accès à ce passage là. Du fait d'avoir récupéré le truc sur le scorpion. Hop là. Allez, monte. Très bien. Oui, il devait y avoir quelques scorpions là-dedans. Zeus a demandé une autre cellule pour enfermer un nouveau prisonnier. Après être passé devant les juges Hadès, je ne peux qu'avoir des remords pour la pauvre âme qui sera torturée ici. On va bien voir. Pardon. Et merde. Ah bah c'est des dalles d'ailleurs. Mon fils, mon magnifique Icar. Ah, bien, bien. Tu as la tempête de glace. Le scorpion doit être anéanti. Cette tempête, c'est la clé pour venir à bout du labyrinthe. Pour y échapper, nous devons tout assembler. Bien, bien, tu as déjà commencé. Je vois les cubes qui changent de place. Maintenant, une fois à l'intérieur, tu dois utiliser le cadeau de Boreas. C'est le catalyseur qui contrôle le labyrinthe. Mais tu n'es pas... Mais... Tu... Qu'as-tu donc? Non, non. Oh, mon petit! Où est mon petit? Ton fils est mort, Dédale. Mon fils. Ah ouais. Non, désolé. Non, non. J'ai pris le cadeau de Hadès, le feu liquide, et la tempête de glace pour créer le pouvoir du labyrinthe. Créer le pouvoir! Le pouvoir de créer, le pouvoir de détruire. Le roi des dieux m'a pardonné. Si je construisais le labyrinthe, il a promis que je verrais le retour de mon fils. Il a dit que si je prenais le feu liquide... Oh, mon garçon, oh, mon enfant. Bon, alors avant tout, on va déjà récupérer les deux petits coffres que j'ai laissés là. Et l'un pour la magie, et puis surtout le deuxième pour la vie. Ah ouais, voilà, là, c'est bien ce qui me semblait. Ma mémoire ne m'a pas joué de tour. Allez, putain, un œil pour augmenter un peu ma vie. Oui, ça y est. Allez, bah putain. Ça sera pas de trop, hein. Ah, je vais pouvoir même améliorer mes armes. Et puis, quand je dis améliorer, c'est pas qu'un petit peu, hein. Là, je peux pas faire plus. L'arc d'Apollon, je m'en sers pas. Ça, je vais augmenter.
un petit peu. Ouais, on va même faire le deuxième niveau. Voilà. Allez, électrique d'Hadès, on va faire le troisième. Et puis la tête d'Hélios, on va faire le niveau complet. On va continuer, hein. Les bottes d'Hermès, pareil. Qu'est-ce que j'ai encore? Si, j'ai l'arc. Il est où l'arc? L'arc d'Apollon. Très bien. Voilà. Allez. Maintenant, on va continuer à avancer. On va essayer de reformer le labyrinthe. Voilà, il commence à bouger. Allez Kratos, dépêche-toi. Hop là. Ouh, j'ai bien cru que j'allais me louper là. Hop là. Hop, 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 hop. Ah oh, bah ouais. J'ai loupé mon saut donc du coup. Je tombe, normal. On va se la refaire moins crispée. Hop là. Hop, hop. 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 Alors attendons un peu. On va prendre de l'élan. Ouf. Oh, je suis pas passé loin de retomber là. Et ben voilà. Ouais, par contre, il y a un moment où il a bien fait de te tenir. Regardez. Le puzzle commence. C'est même pas qu'il commence, c'est que le puzzle se reforme. Et voilà. J'ai toujours été bon au Rubik's Cube. Allez, on va aller sur la plateforme. Ah bien joué mon petit Kratos. Ben voilà. Eh ben écoutez, on va sauvegarder là. Ça va mettre fin à cet épisode. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, hein, malgré quelques petites galères avec le scorpion. Bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement avec l'épisode numéro 10. Allez, à bientôt, salut tout le monde!